Voilà, difficile de trader ce setup-là parce que je m'attendais quand même à une liquidation de ce niveau et un beau déséquilibre. Parce que là, en réalité, regardez ce que le marché a fait. C'est ça qui est important quand on applique ce genre de stratégie, c'est que un déséquilibre, ça doit être net. D'accord? Un déséquilibre, ça doit être vraiment visuellement, ça doit être précis. Okay? C'est-à-dire un déséquilibre. Ça, par exemple, c'est pas un déséquilibre, c'est un déséquilibre technique, mais qui n'est pas pertinent. Pourquoi? Parce que on s'éloigne pas trop de la moyenne là, ici de la VWAP et on accumule. OK, et on voit que la VWAP, ce qui est bien, c'est qu'elle est dynamique. Donc, elle se rapproche du prix, donc elle colle et elle donne le momentum qu'on a actuellement. Donc, voilà. Alors, j'ai pris ce trade malgré la descente après le level. Donc, tu as acheté, tu veux dire. C'est ça, en fait, tu as acheté. Okay. Oui, comme je dis, en fait, moi j'aurais pu rentrer en agressif si j'avais pas d'autre setup, mais j'avais le gold en fait qui était bien. Alors pourquoi le gold il est bien? Donc je vous explique rapidement. Si on se met rapidement en 15 minutes comme ça là, regardez ce qu'on a sur le gold. Okay? En fait, on a un beau déséquilibre. Là, on a un déséquilibre net. Pourquoi? Parce qu'on a le prix en fait qui part réellement là, qui est équilibré sur un PPW, entre un mid PPR hein, aussi ici mensuel. Donc, on déséquilibre, on casse une structure. OK, la dernière microstructure interne qui est juste là. Donc, on casse un plus haut. Et en même temps, on vient trouver la moyenne du contexte. OK? Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai activé juste. Parce que je cherchais un trade, mais il me fallait une raison pour trader. J'aime pas trader avec les daily, mais ils sont disponibles, ces putains de niveau daily. Et donc, dès que j'ai vu que ça rejetait, OK, donc là, ça rejetait une fois ici rapidement. Mais là, je n'ai pas tradé. Pourquoi? Parce que j'avais le plus haut qui est juste là. Donc, si je trade ce plus haut, je sais que je vais me faire baiser. Donc, du coup, j'ai attendu. Et là, bim, on vient chercher la R1, la R2, pardon, qui est juste là. Et là, le marché me donne des signaux et ça m'a permis de rentrer. Et je suis toujours sur le trade, en fait. Voilà, le trade là, actuellement, il est à peu près à 60 points. Je suis en deux lots, mais c'est le trade qui m'a permis de prendre 4 000 dollars, quoi. Là, je suis à 1 000 dollars avec deux lots. Voilà, c'est pas mal. ABE, tranquille, je laisse le trade vivre. J'ai rien à faire, je touche pas. Le marché continue à me donner quelques billets. Voilà. Donc, ça, c'était un beau trade. Mais par contre, ce n'était pas le trade que j'attendais. C'est pour ça que ce matin, dans l'analyse, j'avais affiché ce niveau. Okay? J'avais affiché, j'ai fait exprès quand je vous ai envoyé l'analyse fondamentale, rapidement, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, algorithmique plutôt, que j'ai envoyé. Je vais juste revenir sur l'analyse rapidement, comme ça je vous montre ça. Ici, quand j'ai partagé cette analyse, moi j'attendais ce niveau. Okay? Pourquoi ce niveau? Parce que ici, on a eu un gros déséquilibre algorithmique et un gros déséquilibre, pardon, fondamental. Ok, donc s'il y a la macroéconomie, c'était les taux d'intérêt, hein, c'est ça? Non, c'était le NFP, ça. Pardon, pas les taux d'intérêt, c'était le NFP. Donc c'est pour ça que c'est bien de noter, hein, voilà. Où je vous apprends bah, réellement à noter tous les niveaux, en fait, tous les niveaux importants. Par exemple ici, on avait dit que là c'était le NFP, donc on le marquait, etc. Donc j'avais fait un truc assez sympa. Par exemple ici c'était la Fed, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une analyse. Inflation, inflation, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une analyse super intéressante et super pertinente. OK? Donc il faut vraiment penser à le faire. Vous allez voir que votre trading va être beaucoup plus simple, en tout cas. Donc voilà. Et donc moi je m'attendais à qu'on revienne parce que en fait le marché, quand il retrace plus de 50% une impulsion comme ça, généralement, donc rapidement je vais enlever ces niveaux. Hop. Donc là, on a l'impulsion fondamentale. OK. Et là, en fait, on repasse au-dessus de 50% de cette impulsion.
Okay, donc qui est le NFP. Donc généralement, quand on fait des structures comme ça, plus haut, plus bas, on recasse, plus haut, plus bas, on recasse, etc., bah, je m'attends quand même qu'on casse ce niveau et qu'on aille chercher carrément le haut de la structure. Donc on casse les plus hauts, comme on est en train de faire. On maintient aussi les plus bas de plus en plus haut. Okay? Donc ça, c'est important aussi. Et on va chercher une zone clé. Et là, en fait, sur la zone clé, on attend des structures. Alors, qu'est-ce que c'est une structure? Bah, c'est simple, en fait. C'est ce que tout le monde dénigre aujourd'hui, c'est-à-dire les structures chartistes basiques. Pourquoi elles vont fonctionner? En fait, elles vont fonctionner vos structures chartistes généralement, okay, que ce soit un double top, une accumulation, etc., une consolidation, une compression, etc. En fait, ça va marcher parce que ça va se retrouver en déséquilibre sur un niveau clé, sur un niveau algorithmique, et en même temps, on aura le contexte qui sera normalement à peu près par là. Le temps que ça arrive, on aura peut-être le contexte si on aura toute cette zone. Okay, donc demi de OR1, là, ici, à venir travailler. Et là, généralement, on aura notre retracement. Après, voilà, si tout le monde vise un truc comme ça, là, tac, tac. Si on fait ça ne marche pas. Okay? Ça ne marche pas. Okay, par contre, si on rentre comme ça et qu'on va chercher des petits retracements comme ça marche. Pourquoi? Parce qu'on va chercher, en fait, on prend l'impulsion et on va chercher le mouvement, okay, qu'on veut voir. Donc, c'est ce qu'on attend. Maintenant, pareil. Maintenant, on a carrément un nouveau plus haut là qui est là. Hop. Donc, juste là. Tac, tac. Voilà. Donc, maintenant, c'est ce niveau-là qu'on attend de péter. Parce que si on pète ce niveau-là, okay, en sachant que je veux trader à la vente, okay, bah, j'attends un level algorithmique et là, je l'aurai ici. Donc, mon premier petit trade, ça va être au contact de la R1. Mon deuxième bon trade, ça sera ici sur les 50% entre la R1 et la mid. Okay, il y aura le contexte, il y aura plein de choses ici. Okay, donc là, j'attendrai des structures. Mais si je veux être agressif, la R1, ça va être un bon trade. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché va faire tac, 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 tac. Il va retracer avant de repartir. Okay, c'est normal. En fait, il faut penser que les marchés, c'est psychologique. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui achètent là, mais qui revendent là. Okay, donc, ils vont faire monter le marché. Mais comme c'est psychologique et tout le monde est quand même lié à l'argent, parce qu'on ne vient pas trader hein, pour faire des RR ou pour faire des dessins, on est là pour prendre du bif, il ne faut pas oublier. Et bien là, bim, le marché retrace et le marché peut repartir. Donc là, tu peux prendre là et tu peux reprendre là s'il y a bien sûr des structures internes qui ont été cassées avant de repartir, tout simplement. Donc c'est psychologique, c'est comme ça. OK? Donc maintenant, on attend le niveau qui pète, en fait, et voilà. Et pareil, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a pour de l'achat? Ben, c'est très simple, on a ça, ici. Alors, pas cassé plutôt. Voilà, il est là. Donc, on a ça ici. Donc là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il se déséquilibre, par exemple, imaginons, il fait un échec ici. Il se déséquilibre, OK, et vient chercher. La mid, on passe en dessous de la mid et on repart, tout simplement. Alors, on repart, donc on prend notre argent. Après, il part pas, on s'en fout. Ça va être un trade comme ça. Après, ouais, le BE, il va nous gaver. Mais les petits TP, bon, ça sera bien pour payer les factures. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on essaye de chercher, que ce soit sur le Dow Jones, que ce soit sur le Gold. Alors, on le fait toujours sur des actifs liquides parce que c'est beaucoup plus pertinent. Okay? Et vous allez toujours le voir que quand le marché revient sur sa moyenne d'équilibre, il s'équilibre. Ok, regardez ici sur le gold, bam, bam, il vient ici et c'est là que ça consolide. Si on regarde dans 1 minute, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite consolidation, donc le marché est en train de ralentir. Donc il fait tac, tac. Peut-être qu'il va nous faire un truc comme ça, mais là on va avoir de la volatilité parce qu'on va avoir l'ouverture de marché dans quelques secondes exactement. Donc on va voir ensemble si on vient travailler en dessous de ce level ou pas. Meilleur timing pour rentrer en position par rapport aux bougies. Le timing en fait, c'est. Si tu veux, pour faire simple, d'accord, le timing pour entrer sur une position, okay, c'est sur la zone que tu vas trader. Si tu as des grosses zones intéressantes et pertinentes, okay, par exemple ici on casse un contexte, on vient sur un PP Daily, tu sais que par avance, ça ne va pas être une zone de fou, okay, mais qui peut quand même délivrer du momentum. Et si on a un beau déséquilibre, si on a la configuration, etc. Donc le timing, en fait, c'est simple. C'est où tu prends des risques et tu vas prendre plutôt des bougies avec des mèches, okay, qui va rejeter. Par exemple, là, il n'y en a pas. On a eu ce qu'on appelle la bougie avalante, okay, la engulfing pattern hein, que tout le monde connaît, qui est juste là.
Sinon, tu prends un peu plus de risques, tu ne prends pas de bougies dominantes, mais tu prends des bougies qui mèchent. Okay? C'est-à-dire que là, pour un achat, un exemple, hein, tu as eu une mèche comme ça. Et là, tu dis, je rentre contre Boréco, j'accepte le retracement pour y aller. Voilà. Thank you.